Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Chef cuisinier. Caillou et Mousseline jouaient ensemble et s'amusaient. Mousseline aimait faire comme son grand frère. Que tu ne seras pas capable d'imiter, Mousseline. Est-ce que tu commences à avoir faim, Caillou? Est-ce qu'il est bientôt l'heure de manger? Tout à fait. Et on est vendredi soir, alors tu sais ce que ça veut dire? C'est la soirée pizza! J'aime notre soirée pizza! Êtes-vous en train de parler de la soirée pizza? Écoutez, j'ai une idée. Pourquoi ne pas préparer notre propre pizza? Mais d'habitude, on nous livre notre pizza. Ça pourrait être une belle expérience, Caillou. Nous avons de la pâte fraîche dans le réfrigérateur. Et plein de bonnes garnitures. On peut donc préparer notre pizza comme on l'aime. Caillou n'était pas convaincu. Préparer une pizza prendrait beaucoup de temps. Est-ce que ça n'irait pas plus vite si le livreur de pizza nous apportait la pizza à la maison? Aller vite n'est pas toujours la solution, Caillou. Et en plus, il n'y a rien de plus amusant que de préparer sa propre pizza. D'accord, maman, je suis prêt à vous aider. Avant tout, tu dois te laver les mains. Toi aussi, Mousseline. Voilà des petites mains bien savonnées. Maintenant que vos mains sont toutes propres, j'ai une petite surprise à vous offrir. Caillou aimait beaucoup les surprises. Il se demandait ce que ça pouvait bien être. Les chefs cuisiniers ont besoin de tabliers. Une fleur et un dinosaure. Il ressemble à Rexy. Maintenant, on a l'air de vrais chefs cuisiniers. Et voilà, vous avez chacun votre pâte à pizza. Ça ne ressemble pas à de la pizza? Ça, c'est parce qu'on doit transformer la pâte à pizza. Et pour y arriver, il faut pétrir et étendre la pâte. Oh, c'est tout collant! On dirait de la pâte à modeler. Mousseline, tu as de la pâte à pizza sur ton nez comme un clown. Et maintenant, on est prêt à étendre la pâte. Vas-y, Caillou, je te laisse essayer. Fais avancer et reculer ton rouleau à pâtisserie. Ça marche! Elle devient toute plate. Bravo, Caillou. Tu as vu ça, Mousseline? Il y a une grande et deux petites pizzas. Est-ce que je peux avoir ma pizza à moi? Toi et Mousseline avez chacun votre pizza, que vous pourrez décorer. Mais avant tout, il faut mettre de la sauce tomate. Je sais comment. Oh non! J'ai fait tomber de la sauce sur mon tablier. Ce n'est pas grave, Caillou. Les tabliers sont faits pour ça, pour ne pas salir nos vêtements quand on fait la cuisine. Mousseline voulait elle aussi avoir un peu de sauce tomate sur son tablier. Mousseline! Bon, allez, je crois qu'on en a fini avec la sauce tomate. Maintenant, il faut mettre les garnitures. Des tomates, du poulet, des épinards, des oignons. Ne t'en fais pas, Caillou. Tu n'es pas obligé de mettre d'oignons sur ta pizza. Caillou commença à décorer sa pizza. Et il faisait très attention que personne ne la voie. Alors, Caillou, comment ça va? Bien, je suis en train de faire un dessin, mais je veux que ce soit une surprise. Comment tu trouves ma pizza? J'ai dessiné mon portrait. Oh oui, tu t'es bien débrouillé. Ça te ressemble beaucoup, Caillou. Je crois que le temps est venu de mettre ces pizzas dans le four. Je peux vous aider? Désolée, Caillou. Seules les grandes personnes peuvent le faire.
Le four est très très chaud. Mais tu peux m'aider à programmer le minuteur? D'accord. Nous voulons que ça sonne dans 15 minutes. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton qui est là, Caillou. Et puis quand la cloche du minuteur sonnera, on saura que nos pizzas sont prêtes. Caillou ne voulait pas attendre que les pizzas soient cuites. Il voulait les manger tout de suite. Tu sais, Caillou, moi aussi j'ai faim. Mais pour faire une bonne pizza, on a besoin de temps. Il en avait assez d'attendre que le minuteur sonne. Encore 5 minutes. J'ai comme l'impression que ces pizzas ne seront jamais cuites, maman. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. J'ai trouvé! On peut jouer au restaurant. Moi, je serai le serveur et vous, vous serez les clients, d'accord? Bonne idée. D'accord. C'est la première fois que je viens à la pizzeria de Caillou. Oh, quel endroit tout à fait charmant! Bonjour, je m'appelle Caillou et je suis votre serveur. Êtes-vous prêt à commander vos pizzas? Bien sûr, voyons voir. Préparez-nous 22 pizzas, s'il vous plaît. Nous avons extrêmement faim. D'accord. Qu'est-ce qu'on met dessus, monsieur? Caillou aimait jouer à être serveur. Il faisait même semblant de noter la commande de ses clients. Voyons voir, nous en voulons une au poulet et champignons. Oui, si tu veux, des poivrons. Et que diriez-vous d'une pizza au jambon et aux ananas? Ou peut-être une pizza au chou-fleur et à la purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre? Pourquoi pas? Caillou s'amusait tellement qu'il en avait oublié les pizzas qui cuisaient dans le four. Jusqu'au moment où... Nos pizzas, elles sont prêtes! Puis, qu'en penses-tu, Caillou? C'est très bon. Je trouve qu'on devrait faire de la pizza tous les vendredis soirs. D'après ce que je vois, la pizzeria de Caillou est un grand succès. Ça, c'est vrai. Et c'est comme ça que Caillou a appris qu'il peut être très amusant de préparer à manger. La maman et le papa de Caillou se préparaient à partir pendant toute une nuit. Mousseline va venir aussi. Je ne crois pas que les voyages de golf amusent les petites filles comme toi. Mais qui va venir s'occuper de nous? Tu ne t'en souviens pas? Grand-père et grand-mère vont venir passer la nuit ici. Hourra! Grand-mère et grand-père! Grand-maman, grand-papa! Et ça, c'est sûrement eux. Bonjour, Caillou. Bonjour, Mousseline. Merci d'être venu vous occuper des enfants. On le fait avec plaisir. Je sens qu'on va bien s'amuser, n'est-ce pas, les enfants? Oui, jouez. Passez du bon temps avec grand-mère et grand-père. En regardant sa maman et son papa s'en aller, Caillou avait une drôle de sensation dans le creux du ventre. Et Mousseline ne se sentait guère mieux. Mousseline. Viens dans mes bras, Mousseline. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les quatre. Toi et moi et grand-père et Caillou. Bon voyage! Au revoir! Caillou trouvait que sans ses parents, la maison était très calme. Qui aimerait manger un bon croque-monsieur? J'ai très faim. Caillou aimait beaucoup les croque-monsieur. Il était impatient à l'idée de manger jusqu'à ce que grand-mère lui serve une assiette différente. Maman ne les fait pas comme ça. Elle coupe toujours le pain dans le milieu. Assiette bleue? Assiette bleue? Et maman nous donne des assiettes bleues avec des carottes, pas des céleri. Ne vous en faites pas. Grand-père et moi faisons les choses un peu différemment. Mais on y arrivera. Et le tour est joué.
Oh non, ces assiettes ne sont pas pour Caillou et Mousseline. Il leur faut celle-ci. Pas vrai, les enfants? Non. Et que diriez-vous de celle-ci? Ou de celle-là? Non. Non. Voilà, comme ça. Ça y est, comme ça, tout le monde est content. Caillou et Mousseline étaient contents. Les croque-monsieur de grand-mère étaient presque aussi bons que ceux de leur maman. Grand-père, tu peux lâcher mes chaussures, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Mais maman ne le fait pas comme ça. J'ai fait un double nœud pour être sûr qu'il ne se détache pas. Voilà, tu vois? Tu as maintenant des super chaussures qui jamais ne se délasseront. Caillou n'était toujours pas sûr d'aimer la façon dont grand-père avait lacé ses chaussures, mais c'est vrai que les lacets avaient l'air bien noués. Où est mon bateau à vapeur? Je ne sais pas où il est, Caillou. Mais veux-tu ta grenouille? Non, je prends toujours mon bain avec mon bateau à vapeur. Eh bien, peut-être que cette fois, tu devras apprendre à faire les choses différemment. Et ta grenouille a très envie de se baigner. Oh, je peux essayer? Caillou a fini par bien s'amuser avec sa grenouille. Hop, hop, hop. Je ne veux pas mettre un pyjama différent. Je veux mon pyjama avec les chevaux. Mais il est au lavage, Caillou. Eh bien, moi, j'ai toujours aimé les pyjamas différents. Peut-être que je pourrais le mettre. Comment est-ce qu'on enfile un pyjama? Est-ce qu'on se le met sur la tête? Ou alors, ça se porte comme une cape? Ou est-ce que ça se met à l'envers? Non! Non! C'est comme ça qu'on porte un pyjama. Ah! Maintenant, je saurai comment enfiler le mien. Voici l'histoire de Boucle d'or et les trois courses. Les trois ours! Oui, c'est ça, les trois ours. Un jour, Boucle d'or a dit: quelle jolie maison dans la forêt! C'est pas Boucle d'or! Maman et papa font des voix différentes. Oh! Tu veux dire que Boucle d'or devrait parler comme ça? Non, Boucle d'or! Et si elle parlait comme ça? Non, Boucle d'or parle comme ça. Bonjour, je m'appelle Boucle d'or. Oh, dans ce cas, Maman Ours devrait parler comme ça. Je suis Maman Ours. Non, Maman Ours parle comme ça. Et Papa Ours parle comme ça. Caillou aimait les nouvelles voix de grand-père et grand-mère. Elles étaient encore plus rigolotes que celles de papa. Vous savez, on ferait mieux de finir cette histoire. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Grand-mère, j'ai trouvé quelque chose de différent à faire. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Laissez Mousseline et moi nous coucher plus tard. Non, je crois que c'est peut-être un peu trop différent pour ce soir. Coucou, on est là! Bonjour, vous avez fait un beau voyage? Oui, c'était très réussi. On peut savoir ce que vous faites? On a décidé qu'on pouvait faire les choses différemment, comme s'asseoir à l'envers. Oh, tout à fait, oui. Mais je crois que je préfère tout de même m'asseoir à l'endroit. Est-ce que grand-mère et grand-père doivent partir tout de suite? Grand-maman, grand-papa, pas partir. On pourrait rester un peu plus longtemps. Hourra! Oui! Alors, qui veut des croque-monsieur avec des carottes? Moi! Moi aussi! Caillou et Mousseline réalisèrent qu'on pouvait s'amuser tout en faisant les choses différemment. Caillou joue aux quilles. Alors, tu as passé une bonne journée, Caillou? Oui, et j'ai une surprise pour vous. C'est un dessin de Gilbert. Vous le trouvez beau? Je le trouve très beau, Caillou.
Il lui ressemble vraiment beaucoup. Nous aussi, on a une petite surprise pour toi. Grand-père va venir nous voir et il va t'amener dans un endroit spécial. Et ça, c'est sûrement lui. Grand-père, où est-ce que tu m'amènes? Quoi, j'ai pas droit à un câlin? Voilà qui est mieux. Maintenant, je peux te le dire, je vais t'amener jouer aux quilles. Aux quilles? Caillou était surpris. Il n'avait jamais joué aux quilles. C'est un jeu pour les grandes personnes? Non, j'ai appris à jouer aux quilles quand j'avais ton âge. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais te montrer comment. Dans une vraie salle de quilles. Une vraie salle de quilles? Pourquoi on ne joue pas aux quilles dans le jardin? Je suis sûre que la salle de quilles te plaira, Caillou. Il y aura des quilles, des boules, et c'est un super endroit pour faire de l'exercice. Est-ce que tu as envie d'y aller? Oui, d'accord. Nous y voici. Au début, Caillou était un peu nerveux, surtout en entendant tout le bruit que faisaient les quilles. Mais en regardant autour de lui, Caillou fut agréablement surpris. Grand-père, regarde, c'est mon amie Sarah! Sarah! Le fait de rencontrer une amie à la salle de quilles rendait Caillou encore plus à l'aise. Est-ce que c'est à notre tour de jouer, grand-père? Dès qu'on aura nos chaussures. Je ne peux pas porter mes chaussures à moi? Non, tu dois mettre celles-ci. Ce sont des chaussures spéciales, faites pour marcher sur les allées en bois. Mon petit-fils va jouer aux quilles pour la première fois. Ah oui, alors je sens que tu vas bien t'amuser, mon grand. Voyons voir, je vais vous installer dans l'allée numéro 3. Numéro 3. Merci, jeune homme. Et voilà, tu as l'air d'un vrai champion. Alors, on a droit à quelques boules pour se faire la main. Et c'est ici qu'on vient les prendre. Elles reviennent ici automatiquement. Fais toujours attention en prenant ta boule. On ne voudrait pas que les boules nous pincent les doigts. D'accord, grand-père, je ferai attention. Alors, tu vois les quilles qui sont là? Le but du jeu est de faire tomber le plus de quilles possible. Chaque quille vaut des points. Cet ordinateur sert à compter nos points et nous donner nos résultats. Maintenant, regarde ton vieux grand-père. Je vais te montrer comment on lance une boule. Ouah, grand-père! Tu les as toutes faites tomber! Exactement. Quand ça arrive, on appelle ça un abat. Allez, maintenant, à toi d'essayer. Tu devrais peut-être lancer la boule dans l'allée avec tes deux mains, comme ton amie Sarah. Oui! Ma boule n'a pas voulu rester dans l'allée. Quand la boule sort de l'allée, elle roule dans ce qu'on appelle un dallo. Ça arrive à tout le monde, et même à moi. Le truc, c'est de lancer la boule en visant le centre. Recommence. J'y suis arrivée, j'ai fait tomber une quille. Caillou avait de plus en plus confiance en lui. Bravo, Caillou. Je savais bien que tu y arriverais. Mais il y a encore une petite chose que je voudrais t'enseigner. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? La tape dans la main des super champions des quilles. Et maintenant, on est prêt à jouer. Oh! Est-ce que tu crois qu'on pourrait jouer avec Sarah et sa mère, grand-père? Bien sûr. C'est une très bonne idée. Allons leur demander. Un abat! Waouh! Ta mère est bonne, comme mon grand-père. Tu as vu tous les abats qu'ils ont faits? Ma mère fait partie d'une équipe de joueurs de quilles. Alors, elle joue très souvent. À ton tour, Caillou. Ouah! J'ai fait tomber une quille. Oui, bien joué, Caillou. Bravo, Caillou. Deux autres quilles. Thank you.
quilles. Une plus deux plus une, ça fait 4 quilles. Ça fait beaucoup de points, pas vrai, grand-père? Oui, tout à fait. C'est pas mal du tout, Caillou. Je trouve que tu te débrouilles très bien. Merci d'avoir joué avec nous. Au revoir, Caillou. Au revoir, Sarah. On s'est bien amusé. Ça fait plaisir à entendre, Caillou, parce que j'ai une autre petite surprise pour toi. Caillou était très impatient de découvrir quelle était son autre surprise. Alors, votre partie s'est bien déroulée? Oui, on a bien joué. Je trouve que Caillou a beaucoup de talent, même s'il est débutant. Bon, dans ce cas, ça, c'est pour toi. Pour moi? Mais je n'ai pas gagné. On est tous gagnants quand on tente de nouvelles expériences, Caillou. Tu mérites ton ruban. Oh ouais, merci. Et j'ai lancé la boule et fait tomber les quilles et on avait des chaussures spéciales. Et puis le gentil monsieur au comptoir m'a donné un ruban. Je suis vraiment très fière de toi, Caillou. Oui, on dirait que tu as bien aimé apprendre à jouer aux quilles. Oh oui. Est-ce que ça veut dire que tu reviendras jouer aux quilles avec moi? Oui, est-ce qu'on pourra y aller demain? Caillou venait d'apprendre qu'il est toujours bon de tenter de nouvelles expériences. Comme jouer aux quilles.